na yo na matasi na yo Yahweh kangola Yahweh kangola na bolingo na yo zambe na ngai na makasi na yo Yahweh sikola nga Yahweh sikola nga okangola ki Daniele zambe na ngai Alibulu na kufa e papa Yesu kita lelo yo Yahweh kangolanga O salela kiba mingi Papa katina pasi Papa kita lelo yo Zambe na ngai Yesu sikola ngai Yesu yo Mosusu te se yo Na bomoi na nga kaka se yo Mosusu te se yo Na bomoi na nga kaka se yo Nayebi ete ozali elongo nanga ozali Yesu Nayebi ete ozali yo mosungi nanga Kolo nayebi ete ozali Ozali na ngambo nanga ozali Nayebi ete ozali Yahweh yo mosungi nanga Na bolingo na yo Nzambe nanga Na bosembo na yo kolo Yahweh sikola bana na yo papa Yahweh sikola nga Okangola ki Daniele Nalibulu naliwa Nzambe nanga Papa kita lelo yo Yahweh sikola nga Kolo salela ki bamingi Papa katina pasie Papa kita lelo yo Yahweh sikola nga Yesu Moi na la kaka se yo, mosusu te se yo. Na la vi na la kaka se yo, na ebi ete ozali, ozali elongo na la ozali e, na ebi ete ozali. Merci Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. 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 Voilà, sans plus tarder, mes frères et sœurs, mettons s'il vous plaît nos téléphones en mode silencieux pour éviter quelques échos. Je vois tout le monde, c'est bon.
Maman Brigitte, mets ton téléphone en mode silencieux, s'il te plaît, pour que pour ne pas gâter notre enregistrement. Voilà. Prenons nos bibles, nos calepins, nos stylos. Ok. Nous allons lire, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 6e, c'est notre texte de base. Mystic Revelation, chapter 6. Nous allons lire à partir du verset, comme vous le savez bien, à partir du verset 12e. Starting verse 12. Suivez bien, mes bien-aimés, chaque point que nous sommes entrés de dire, parce qu'il y a pas mal de détails dans ce livre. Donc jusque-là, nous ne sommes pas encore touchés d'autres points. Donc veillez à ce que nous sommes entrés de lire pour que vous compreniez ce qui va être développé ce soir. Please follow carefully in order to get all the details. Voilà, j'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la ligne entière devint comme du sang. I saw when the Lamb opened the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as black as sackcloth made of goat's hair, and the full moon became like blood. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. The stars of heaven fell to the earth like a fig tree drops unripe figs when shaken by a great wind. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. The heaven writes a part like a scroll being rolled up, and every mountain and island was moved from their places. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Then the kings of the earth, and the great men, and the military commanders, and the rich, and the mighty, and everyone slave and free, hide themselves in the caves and among the rocks of the mountains. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Dans d'autres traductions, on dit couvrez-nous, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. And they tell the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of the one seated on the throne and from the wrath of the Lamb. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Que Dieu ajoute l'explication sur sa parole. May God add the revelation of his word. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. As you know, we are talking about the judgment of God who will fall down after the rapture of the church. Ce jugement, c'est un châtiment de Dieu sur la bête et toute sa suite. This judgment is a punishment for the beast and all his servitors. Donc ceux qui rateront l'enlèvement subiront ce jugement de Dieu. The one who will be missing in the rapture of the church will live this judgment of God. C'est-à-dire tous ceux qui seront tourmentés par ces jugements, ce sont les gens qui vont accepter de pouvoir recevoir la marque de la bête et d'adorer la bête. So the people who will receive the judgment will be the one who accepted the mark of the beast. Ce jugement, mes frères et sœurs, est très terrible. This is a terrible judgment. Ici, nous sommes seulement dans le sixième sceau, mais quand nous allons toucher le septième sceau, vous allez voir que, mes bien-aimés, c'est terrible ce jugement. We are in the sixth seal, but you will see also in the seventh seal
How terrible is the judgment of God. Quand je médite ce livre, il y a quelque chose qui me monte dans la tête, comme Élie le sacrificateur avait dit à ses fils, mieux vaut de tomber entre les mains de l'homme que de tomber entre les mains de Dieu. Élie said, it's better to fall down among the hands of the men, but it's terrible to fall down in the hand of God. Ça dit, tomber entre les mains de Dieu, mes bien-aimés, c'est terrible parce qu'il n'y a personne qui peut te libérer entre les mains du Seigneur. Our living God judgment is terrible because no one can free us from his hands. Quand un homme a un problème contre un homme, mes bien-aimés, Dieu peut intervenir. Mais quand tu as le problème avec Dieu, qui peut intercéder en ta faveur? When there is a problem between two persons, God can intercede and operate, but if you have a problem with God, who will do that? Donc le jugement de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui ont des problèmes avec Dieu. So the judgment of God will fall down on the people who are facing some issues with our God. Qui sont-ils ces gens-là qui ont des problèmes avec l'Éternel? Who are they? Ce sont des gens qui ont refusé délibérément le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. They refused our Lord Jesus Christ in their life. Ces gens-là s'appellent aujourd'hui des païens. They we can call them pagans. Ces gens-là qui vivent délibérément dans le péché. They are living among sins. Et nous en avons encore d'autres dans nos assemblées qui sont des hypocrites. Vivent confortablement dans les péchés, mais viennent chaque dimanche dans le culte à l'église. Even in our churches, you can see some who are hypocrites and living among sins. Le jugement de Dieu ne va pas s'abattre seulement sur le païen, mais même sur ceux qui sont soi-disant enfants de Dieu, mais qui désobéissent à la parole de Dieu. Le jugement de Dieu va s'abattre aussi sur ces gens-là. The judgment of God will also fall down on the one who are not respecting the word of God. Tout celui qui écoute la parole, qui écoute la vérité, mais qui ne vive pas cette parole, Dieu le jugera aussi. The one who are listening to the truth, listening to the word, but not practicing it, judge with God. Certains vont penser peut-être que je suis en train d'inventer des choses, mais je vais vous montrer seulement une écriture et vous allez voir noir sur blanc que le jugement de Dieu s'abattra sur les soi-disant chrétiens, c'est-à-dire les gens qui écoutent la parole mais qui ne l'appliquent pas. We will see a scripture when we can see that the judgment of God is falling down on Christians. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Let's take 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessaloniciens plutôt chapitre 1, lisons seulement un seul verset. Le verset 8. Verse 8. Au milieu d'une flamme de feu. Regardez déjà la flamme de feu ici. Le feu, c'est le jugement. Ésaïe 66, verset 16. Le feu parle du jugement. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir, un, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. In flaming fire, you will command judgment on those who do not know God and do not heed the good news of our Lord Yeshua. It's the same also in Isaiah book, chapter 66, verse 16. Le verset 9 vous dit, ils auront pour châtiment, vous voyez ça? Pour châtiment, une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. In the verse 9 we can read, they will pay the price of the eternal ruin away from the presence of the Lord and the glory of his power. Le verset 10 il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. In verse 10 we can read, on that day when he comes to be glorified among his people and marveled and by all who have believed because our testimony to you was believed.
Donc vous comprenez que le jugement de Dieu selon cette écriture ne s'abattra pas seulement sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, même sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile que nous sommes en train de prêcher là. So the judgment of God will fall down on the one also who are not obeying to the word of God. Lisez le verset 8, c'est noir sur blanc. It's written clearly in verse 8. Donc les chrétiens te tuent. Some resistant Christians. Qui écoute la parole mais qui ne l'applique pas. Listening to the word but not applying it. Ce sont ces chrétiens-là dont il est question sur le verset 8 ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Those Christians are mentioned here in verse 8. Donc ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur, la Bible dit, Dieu le jugera. So the one who do not heed the good news of our Lord, our God will judge them. Ce sont des chrétiens qui passent leur temps inutilement au sein de nos assemblées. These are Christians who are losing their times in our churches. De la même manière, Dieu va juger les païens. De la même manière, Dieu va juger ce type de chrétiens aussi. In the same way, God will judge the pagans and also this type of Christians. La raison pour laquelle nous sommes en train de sonner l'alarme pour éveiller tous ceux qui écoutent la parole et qui ne l'appliquent pas, mais faites attention. That's why we are warning you, anybody who is reading the word but not applying it, practicing it. La Bible dit, ne soyez pas comme des auditeurs oubliés. Mais mettez en pratique la parole que vous êtes en train d'écouter. The Bible is saying, don't forget what you are reading, but please apply what you read. Pour nous les chrétiens, ce jugement, on peut prêcher tout comme on ne peut pas prêcher. Ça ne nous concerne pas parce que on ne sera pas sur la terre, sur terre. Nous serons dans la félicité. Mais nous sommes en train de prêcher ce message pour interpeller ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. That's why we are warning all the listeners who are not following the word of God. Please be careful and repent now. Aujourd'hui, nous avons au sein de nos assemblées des chrétiens hypocrites. In our churches, we can find some hypocrites Christians. Quelqu'un soi-disant qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, sa vie avant de connaître Christ et après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucun changement, aucun changement. We can see some people following the Lord, but we cannot see any changes in their lives. J'ai rencontré un homme ici en Europe, un jeune homme qui a donné sa vie entre guillemets à Jésus, mais mes bien-aimés, qui a un comportement acariâtre, irascible. I met one man who gave his heart to Jesus Christ, but his behavior is still the same. It's like pagan. Quelqu'un qui a de la haine comme pas possible. Hating people. Il monte même du haut de la chair pour soi-disant prêcher l'évangile, mais quelqu'un, c'est un hypocrite comme pas possible. Also preaching to the churches. But it's an hypocritic way. Je vous dis un témoignage vrai. J'ai rencontré un homme comme ça. It's a true testimony. I met him. J'ai eu même le temps de partager la parole avec lui. I shared also the word of God with him. Mais quelqu'un dont sa vie avant et après, il n'y a aucun changement. His life before and his life after. You cannot see any change. Ce sont des genres de conversions que nous avons aujourd'hui au sein de nos assemblées. Donc, les soi-disant convertis, mais en réalité, il y a pas la conversion. You can see a lot in our churches. There is no convert. Alors, de telles personnes, c'est pour eux que nous sommes en train de pouvoir les avertir que faites attention, change ton cœur. That's why we are sending this warning. If you listen to this message, change your heart. Le Seigneur n'a pas besoin de gens qui restent longtemps, peut-être dans la prière, matin, midi, soir, voilà, qui jeûnent plusieurs fois
qui donne aux pauvres. Le Seigneur n'a pas besoin de ces gens. Le Seigneur, il a besoin des gens qui se sont convertis réellement, qui ont changé leur cœur. God doesn't need anybody. He needs only to see people who gave his heart to him and changing their lives. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dont la Bible parle qui ont l'apparence de la piété, mais en réalité qui renient ce qui fait la force. They are appearing, like says the Bible, appearing with the love, but they are not recognizing in the heart what is bringing the world and the message. Il peut prier matin jusqu'au soir. Lorsqu'il finit de prier, il peut insulter facilement. He can even pray during the morning, evenings, but after a while will insult people. Et c'est pour ces chrétiens-là que ce message est adressé. That's why this message is diffused. La Bible dit, Dieu va châtier même ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile. God will chase the ones who are not respecting the word of God, his good news. Mais bien aimé, la vie chrétienne, il faut qu'il y ait un changement avant de connaître Christ et après de connaître Christ. Beloved, for our Christian lives, we need to see a change before and after giving your heart to Jesus. Ce message, mes bien-aimés, nous interpelle tous à pouvoir réexaminer nos vies. Si, mes bien-aimés, avant de connaître Christ et après avoir connu Christ, si tu as toujours le comportement que tu avais quand tu étais dans le monde, mes bien-aimés, sache-le que la porte du ciel est pour toi est fermée. This message is to warn you, if you don't repent, you can be sure that the world of heaven, the door of heaven will be closed. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13, la Bible dit, le Seigneur nous a transportés des ténèbres, c'est-à-dire du monde, vers son royaume. Donc il faut qu'il y ait un changement. Tu étais dans le noir, maintenant tu es dans la lumière. Si tu es injurié, tu es maintenant dans la lumière, tu n'injuries plus. Quel verset, mon frère? Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Ok, we can read in Colossians book, from chapter 1, verse 12 to 14, that our Father qualified and gave inheritance to the one who are respecting the light. Parce que les vrais chrétiens, les sixièmes sceaux et les septièmes sceaux ne les concernent pas, parce qu'ils ne seront pas sur terre, ils seront dans la gloire. Mais nous sommes en train de prêcher ainsi pour interpeller ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, comme nous venons de lire tout à l'heure là. Parce qu'ils subiront ces châtiments s'ils ne se repentent pas. True Christians will face the judgment if they don't repent. They need the redemption and the release of their sins. Vraiment désolé. Moi, je suis un évangéliste. Mon ministère, c'est comme ça. Donc, quand je prêche, c'est comme si je blâme, mais je ne blâme pas. Je prêche comme ça. I'm an evangelist, so my message is oriented in this way, but I'm not blaming you in any case. Supportez-moi, s'il vous plaît, avec mon langage, c'est pour votre bien. Please support me, beloved, with my language. It's for your good in your life. Quand tu seras au ciel, le Seigneur te donnera la couronne. Tu m'offriras pas ta couronne là. Ça sera pour toi. Alors supportez-moi, s'il vous plaît. When you reach the sky, the Lord will give you a crown, and I will not take from you this crown. So please support me a while. Donc je suis en train de marteler là-dessus pour que tu hérites les ciels. Tu ne rates pas les ciels. I'm working for you to be saved and to be part of the rapture of the church. Alors vous comprenez que mes bien-aimés, le jugement de Dieu va s'abattre sur l'Antichrist et sur toutes les nations de la terre qui adoreront la bête, qui ont refusé carrément Jésus. The judgment of God will fall down on the Antichrist and all the nations of this world who rejected our Lord. Alors la Bible dit qu'il y aura des événements qui vont se dérouler à l'ouverture du sixième sceau. Bible is saying events will happen at the opening of the sixth seal. La Bible dit le ciel va se retirer comme un livre. The heaven wiped apart like a scroll being rolled up. On avait vu hier que le ciel
qui se retire comme un livre, c'est le symbole de la malédiction de Dieu qui va être déversée sur la terre pour frapper les habitants de la terre. So we saw yesterday that this event is representing the malediction that the inhabitants of this earth. J'aimerais qu'on lise encore cette écriture de Zacharie chapitre 5 qui en parle, chapitre 5 verset 1er jusqu'au verset 3e. Let's take Zachariah book chapter 5. On va lire les versets 1er jusqu'au verset 3e. From verse 1 to verse 3. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Once again I lift up my eyes and behold I saw a flying scroll. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Et il a 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres, 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur, c'est-à-dire 5 mètres. Then the angel asked me, what do you see? I replied, I see a flying scroll, 20 cubits long and 10 cubits wide. Et il me dit, c'est la malédiction, vous voyez, dans les rouleaux là, c'est-à-dire les livres, les rouleaux là, qui y est en train de voler sur l'espace, dans les airs. La Bible dit, c'est une malédiction qui se répand sur tous les pays. Dans d'autres traductions, dit sur toute la terre. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. He said to me, this is a curse that goes out over the face of the whole land. Everyone who steals will be swept away from here according to it, and everyone who swears will be swept away from here according to it. Donc vous voyez que les rouleaux là, c'est-à-dire les livres, les rouleaux là c'est les livres, qui est en train de voler dans les ciels, parce qu'on dit les ciels se retirent comme un livre, c'est-à-dire les ciels égale les livres. Donc le rouleau qui est en train de se retirer, de s'envoler comme un livre, la Bible dit que c'est le symbole de la malédiction. We can conclude that the book is an image of the malediction, the flying in the sky. Et selon le prophète Zacharie, le Seigneur lui dit que la malédiction là va être déversé sur tous les habitants de la terre. According to Zechariah, we can read that this curse will go over the face of the whole earth. La Bible dit sur elle, elle est là la malédiction. On dit c'est pour pouvoir quoi? Chasser les voleurs et puis chasser aussi tout parjure, c'est-à-dire ceux qui ont des fausses confessions. So this is to chase the robbers and the one who have false confessions. Donc, nous avions dit que les voleurs dont on parlait ici, que le Seigneur va frapper sur cette malédiction, n'est rien d'autre que l'Antichrist qui est représenté comme un voleur, c'est-à-dire il va prendre la place qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire il va s'autoproclamer comme étant le Christ sur toute la terre. So the robber mentioned in this verse is the Antichrist. He will autoproclaim himself as God and taking the place of Jesus Christ. Et la Bible dit ceux qui jurent aussi faussement, c'est-à-dire qui ont des fausses confessions. Bible is also mentioning everyone who swears. En d'autres termes, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seront aussi frappés par cette malédiction. So the one who are not obeying to the good news of Jesus Christ will be enjoyed by the judgment. Et nous avions dit que cette malédiction n'est rien d'autre que cette trompette qui va, c'est-à-dire qui sera, que Dieu va utiliser à l'ouverture du septième sceau. This curse represents the seven trumps God will use at the opening of the seventh seal. Donc l'Éternel va frapper l'Antichrist par les sept sceaux. C'est ça le symbole de cette malédiction. So God will judge the Antichrist with seven seals. Alors la Bible dit encore que les habitants de la terre vont pouvoir aller se cacher dans des
caverne des rochers. Parce que quand Dieu va déverser sa malédiction, va commencer à juger la terre, les gens vont aller se réfugier dans des cavernes des rochers. Cela veut dire quoi? So the people on this earth will be able to hide themselves in the caves and among the rocks on the mountains. What does it mean? Nous avions dit que les rochers dans la Bible représentent un dieu. We said yesterday that a rock do represent a god. Représente le dieu Yahweh, représente aussi une divinité païenne. It can represent Yahweh's god or a pagan divinity also. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens 10, 4. According to 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Selon Ésaïe chapitre 2, verset 10. According also to Isaiah chapter 2, verse 10. Selon Deutéronome chapitre 32, verset 31,37. And same in Deuteronomy chapter 2, quel verset, pardon? Deutéronome 32, verset 31. Virgule 37e. Deutéronome chapitre 32, verset 31 to 37. Donc, tous ces passages nous montrent que les rochers, c'est le symbole d'une divinité. All the scriptures can show that stalking. Ça peut être une divinité, et Yahweh comme notre Dieu, tout comme une divinité païenne. It can be our God or it can be a pagan divinity. Si vous lisez par exemple 1 Samuel 22, David, même lorsque Saül le cherchait pour pouvoir le tuer, il se cachait dans des cavernes des rochers. If you read in 1 Samuel chapter 22, you can see that David was hiding himself in caves. Même les enfants d'Israël, lors des attaques des Madianites, ils se cachaient aussi dans des cavernes des rochers. It was the same for the children of Israel. Hiding from the Madianites that were using caves. Sur le plan spirituel, cela préfigurait les refuges que nous allons pouvoir posséder lorsque l'ennemi qui s'appelle Satan nous attaquera. In a spiritual way, this is representing the refuge we can use in front of Satan when he will attack us. Il y a une écriture dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 26, qui représente les Damans, hein, je parle des Damans, comme étant un peuple sans puissance, mais qui trouve son refuge dans des rochers. We can read in the Psalm book, chapter 30, quel verset, pardon? Verset 26. Ah, c'est une autre traduction. Au fait, 26. La Bible, dans ce passage de Proverbes 30, 26, nous parle d'un animal qui s'appelle Daman. It's talking about an animal called Daman. La Bible dit, cet animal est représenté comme tout un peuple. Bible is saying that this animal represents a whole people. Mais ce peuple-là est tellement faible, n'a pas de puissance, est faible. But this people is so weak without any power. Lorsqu'il est poursuivi par un animal fort, il trouve son refuge dans des cavernes de rochers. When he is chased by a powerful animal, he is hiding himself inside the caves. La Bible représente Daman comme un peuple. Nous allons lire d'abord cette écriture. Vous allez comprendre quelque chose ici. Suivez-moi ici très bien. Proverbes chapitre 30, verset 26. Psalm chapter 30. Proverbe, chapitre 30, verset 26. Proverbe, chapter 30, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Kunis are creatures with little power, yet they make their homes in the cliffs. Je suis en train de dire que dans le langage spirituel, les cavernes de rochers représentaient le Seigneur Jésus-Christ ou notre Dieu. In the spiritual language, cliffs to represent our Lord Jesus Christ. Auquel nous trouvons les refuges.
In this cave, we can find our refuge. Alors, cette écriture nous présente un peuple comme Daman. C'est-à-dire, on dit Daman, peuple sans puissance. On dit Daman n'a pas de force, mais il place sa demeure ou trouve son refuge dans les rochers. Comme les créatures with little power, yet they make their homes in the cliffs. Quel est ce peuple ici qui n'a pas de puissance, qui est représenté comme Daman? Which people are represented here? Pour comprendre ce peuple ici qui est représenté comme Daman, il faut lire Lévitique chapitre 11 verset 5 qui nous parle de Daman. So we have to read Leviticus chapitre 11 verset 5. Chapter 11 verse 5. Selon Lévitique 11 ou 5, la Bible parle de Daman comme étant un animal impur. The kune, so it should, so could, yet does not have a divided hoof. So it's an unclean to you. It's an impure animal. Or, selon Actes 10, versets 9 à 16, les Damans étaient représentés comme les nations. According to at book at the verse 9 à 16 9 to 16 you can read that this kune is represented as c'est quoi mon frère pardon les nations étaient représentées nations. Comme les nations as nations sorry. Donc vous comprenez que les peuples dont Salomon parle ici qui est représenté comme Daman n'est rien d'autre que nous, les nations ou l'Église. So Solomon talking about Kunis to represent us and like the church. On dit ce peuple n'a pas de puissance, mais il trouve son refuge dans les rochers. This people has no power, but is taking refuge among the cliffs. Mais bien aimé, tel que nous sommes là, Dieu sait que nous n'avons pas de force à pouvoir combattre contre les diables, contre les sorciers, contre les démons. C'est lui qui est notre force, le rocher des âges. God definitely knows that we don't have any power in front of our enemies and is providing to us this power in our lives. Donc tel que nous sommes là, bien aimé, lorsque tu es attaqué par l'ennemi, mais bien aimé, rappelle seulement à Dieu que je suis Daman, je suis peuple sans puissance. C'est toi, le rocher des âges, qui est ma force. When you are attacked like Kuni, remind God that you are like a weak animal and that you need his refuge. Même dans 1 Jean 4, 4, la Bible dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire les rochers, qui est grand plus que celui qui est dans ce monde. Even in John chapter 4, verse 4, you can read that you already overcame them because the one who is among you is greater than the one who is inside them. Donc aujourd'hui, si nous avons la supériorité sur les anges déchus, sur les démons, sur les sorciers, c'est à cause des rochers des âges. So today, if you have this superiority on our enemies, this is thanks to the rocks of ages. Si vous lisez par exemple Jean 10, 4, la Bible dit, les rochers là, c'est lui-même qui protéger les enfants d'Israël qui se promenaient avec eux partout où ils partaient. You can read in John chapter 10 verse 4 that this rock was following his people. Donc pendant leur marche, les rochers le suivaient derrière. Even when they were walking, the rocks was following them. Et les rochers là, la Bible dit, c'était Christ. And this rock, as the Bible is saying, is our Lord Jesus Christ. C'est lui qui est notre force. He is our force. Quand il y a un ça ne va pas, mon bien-aimé, rappelle à Dieu, Seigneur, je suis Daman, peuple sans force, sans puissance. C'est toi qui es ma force, c'est toi qui es mon refuge. Secours-moi. When you are desperate, you can remind God that you are like Kuni and you need his refuge in your life. Mais selon ce passage ici, on dit que les habitants de la terre, lors du jugement de Dieu, lorsque le Seigneur va déverser sa malédiction sur la terre,
vont aller se réfugier dans des cavernes de rochers. Cela veut dire quoi? What does it mean when they will get a refugee in the caves? Les rochers ici qui va aider le peuple de ces temps-là de pouvoir se réfugier, ça ne sera pas si autre chose si ce n'est que le système et les organisations de ce monde. So these rocks are representing the organization of this world. Mais malheureusement, ils chercheront à pouvoir être protégés par des systèmes, mais ce système ne garantira pas leur vie. Unfortunately, they will not be protected with the system. Ces organisations ne les protégera pas face contre la face de l'Éternel. These organizations will never protect them in front of the face of God. Les rochers là représentent aussi des idoles, c'est-à-dire ceux qui invoquent de faux dieux, des idolâtres, vont recourir à leur dieu, mais leur dieu à cet état-là sera incapable de pouvoir les protéger face à la colère de l'agneau. So the rocks are also representing the idols, the people will pray that time, it will be useless. Donc c'est ça ce qui va se passer à l'ouverture du sixième sceau. This is what will happen at the opening of the sixth seal. Et la Bible dit que les montagnes aussi se déplacent de leurs endroits. Bible is saying the mountains are moving from their places. Les montagnes qui se déplacent ici représentent quoi? Les montagnes qui vont se déplacer de leur place représentent quoi? What does it mean? Les montagnes dans la Bible représentent des hommes. Montagne représente dans la Bible some men. Il y a une écriture que beaucoup répètent souvent dans le livre de Psaumes, mais beaucoup peut-être ne comprennent pas cette écriture. C'est Psaume chapitre 121 verset 1er. You can read for example in the Psalm 121. David dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? The monks has a sense, I will lift up my eyes to the mountains, from where does my help come, is asking David. Beaucoup pensent que les montagnes dont David parle, ce sont des montagnes physiques. People are thinking here, we are talking about physical mountains, but it is not the case. David était un prophète, il employait un langage prophétique. Selon Actes chapitre 2, David était un prophète. It was a prophecy because David was a prophet. Quand David dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, les montagnes dont David fait allusion, ce sont des hommes, ce sont des personnes. Here the mountains do represent some people. Et selon cette prophétie d'Apocalypse 6, la Bible dit les grands de la terre, les riches, les chefs militaires, c'est-à-dire toutes ces personnes-là vont demander aux montagnes de pouvoir les cacher. Then the kings of the earth, and the great men, and the military commander, and the rich, and the mighty, and everyone, slave and free, hide themselves in the caves. Donc les gens de cette époque-là vont chercher du secours ou des refuges aussi auprès des montagnes, de demander aux montagnes de pouvoir les couvrir. So this means the people will at that time will have look to get some refuge solution. Donc selon l'écriture de Psaume 121, les montagnes là ce sont des hommes. According to Psalm chapter 121 verse 1, we can conclude that mountains are men. Si vous lisez par exemple le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 2 verset 12 à 14, les montagnes représentaient des hommes orgueilleux, des personnes orgueilleuses. If you read also in Isaiah chapter 2 verse 14, you can see that the mountains do represent people who are not humble. Donc les montagnes représentent aussi des rois. Selon Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. According to Revelation chapter 17, starting verse 12, you can see that mountains represent some kings. Donc vous comprenez que
quand la Bible dit que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, donc vous comprenez que selon l'écriture, donc les montagnes peuvent nous secourir aussi. If you read this verse, I will lift up my eyes to the mountains, from where does my help come? You can understand that the refuge will come from the mountain. Donc c'est-à-dire, on peut trouver aussi du secours vers les montagnes. You can find salvation among the mountains. Nous, aujourd'hui, la montagne qui nous secourit, qui nous vient en aide, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est représentée aussi comme une montagne parce qu'il est le roi aussi. This mountain is today our Lord Jesus Christ because he's also a king. Mais maintenant, les montagnes à titre symbolique comme un roi, selon Apocalypse 17, que les gens vont chercher du secours à cette époque-là, ne seront rien d'autre que le roi de la terre ou le système qui va gouverner le monde de cette époque-là. According to Revelation chapter 17, the mountains will be all the systems put in place and will not be able to give any refuge. Mais selon la prophétie, la Bible dit, ces montagnes vont se déplacer de leur place. Cela veut dire quoi? According to this prophecy, the mountains will be moved from their places. What does it mean? C'est-à-dire, tout secours que les gens vont chercher auprès de ces gens, que la Bible exhibe comme des montagnes, cela veut dire que ces gens-là n'auront pas la possibilité de pouvoir secourir les gens face à la colère de l'agneau. So they will look for salvation, but they will not be able to rescue any people at that time. La Bible dit encore que je passe vite, vu le temps, et par la grâce de Dieu, demain, nous allons directement attaquer le septième saut, parce que c'est moi, j'ai dit, on va terminer sur ce thème. Tomorrow we'll see the seven seals. La Bible dit encore que les grands de la terre et les riches vont, au fait, demander aussi du secours auprès des montagnes. Donc, vont chercher à pouvoir se cacher vers les montagnes. Cela veut dire quoi? Great men and rich, they also search desperately to hide themselves in the mountains. What does it mean? Quand la Bible parle des grands de la terre et des riches, on fait allusion aux hommes élevés, entre autres comme les savants, les penseurs, le génie, qui perdront au fait à cette époque-là la capacité de pouvoir maîtriser au fait la situation. So here, great men and rich represents the person like genius. Qui perdront au fait la capacité, la maîtrise, la capacité de maîtriser la situation. And they will lose the capacity to solve the situation. Parce que la Bible parle de riches. Bible is speaking about rich. Un riche, c'est celui qui a la possibilité de changer les choses par ses propres moyens. One rich man has the capacity to change the things with his own forces. Mais face au jugement de Dieu, à la colère de l'agneau, ces hommes riches n'auront plus à pouvoir maîtriser la situation, ne seront pas capables. Donc, leurs moyens ne les protégera pas. Donc, tout ce qu'ils vont faire n'auront pas la possibilité de pouvoir être protégés, en fait. But in front of the lamp of the Lord on his wrath, they will not be able to protect or to do anything themselves. Tous ceux qui sont en train de nous inventer aujourd'hui, tout ce que nous avons comme technologie, voilà, tous ces savants-là que nous connaissons, les génies que nous avons dans ce monde, n'auront pas la capacité de maîtriser la situation lors du jugement de Dieu au sixième saut et au septième saut. Scientists, genius, all these type of people will not be able to suggest any solution in front of the judgment of God. Donc le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre sera horrible, mes frères et sœurs. The judgment of God will be terrible. Donc personne n'aura la possibilité de maîtriser la situation. Aucune personne sur la terre. Nobody will have the possibility to manage the situation. Donc tout le monde vivra dans l'agitation et dans la peur. So that's why great agitations will come and fear so all over the world. Donc le sixième saut et le septième saut, c'est le châtiment de Dieu
sur tous ceux qui ont rejeté Christ et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So the six seals and the seven seals are representing the judgment of God on the one who are not following God's word and rejecting his name, not abiding to his word. C'est pour cela que nous sommes en train de nous interpeller, mes bien-aimés, que tu perds tout, mais que tu ne rates pas l'enlèvement. That's why it's better to lose anything on this earth, but to be kept in the plan of the rapture of the church, definitely. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés, c'est fini. Le Dieu que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui comme étant un Dieu miséricorde, lors, après l'enlèvement de l'Église, lors de son retour glorieux, ne sera plus un Dieu miséricorde pour ceux qui rateront l'enlèvement. When the rapture of the church will happen, the people will not be able to change anything, and it will be a great reward for the one who believes in him. Profitons, mes bien-aimés, de la grâce de Dieu qui est disponible pour tout le monde, mes bien-aimés, pendant que nous sommes encore là. Let's take this advantage of the grace and mercy of the Lord while we are still all together in this world. Malheureusement, même si nous avons, nous prêchons comment, il y aura toujours déjà qui subiront ces jugements. Parce qu'en voyant ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens sont devenus comme à l'époque des enfants d'Israël au cours roide. Mm. Even if we explain, teach the people, we definitely know that there will be a lot that will not respect the world. Les gens sont contaminés facilement dans le mal en regardant seulement ce qui se passe aux réseaux sociaux. Mais ça fait tellement mal. Ah, je me rappelle de cette écriture qui dit que Job, le juste de Dieu, il était tourmenté de ce qui se passait au Sodome et Gomorrhe. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. If you read some social networks, you can be very scared and shocked in this world, like Job in his time. Donc une fois que tu entres sur Facebook, sur YouTube, donc les premières pages, ce qu'on te présente d'abord sur tes amis, ce n'est que des insanités. The first thing you can see on Facebook, on YouTube, are nasty things on the very first page. Cela n'est pas étonnant, parce que la Bible dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement avant l'avènement du Fils de l'homme. This is not surprising us, because what happened during Lot's time will happen again at the rapture of the church in this end of times. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. What happened to Noah will happen also before the rapture of the church. La Bible dit les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants et ils ne se doutèrent de rien avant que le déluge ne vienne. People were eating, wedding their children. They did not have any doubt that time while this great malediction came. La Bible dit Noé, le prédicateur de ces temps-là, prêchait à ces gens-là de pouvoir se réfugier dans l'arche parce que la pluie va s'abattre sur la terre et va tuer toute la terre. Mais les gens de ce monde, la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne faisaient pas cas à ce que Noé dit. C'est pareil avec notre génération. Comme nous sommes en train de prêcher là, si tu regardes combien de vues que tu as sur ta vidéo, il n'y a peut-être aucune vue. It's the same related to the ones who were inside the ark of Noah's times. They were saved, but the other ones were not and were surprised. Qui partage même la vidéo pour que cet évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, tel que nous sommes là? Personne même ne le partage. Nobody is interested in this scene, and nobody is sharing, for example, this type of videos. Mais regardez là où il y a des insanités, vous allez voir, il y a des milliers, des milliards de vues, des millions de vues, et les gens partagent des insanités. Donc, vraiment, ça fait très mal. But if you look all these insanities in our world,
showing on social networks, this is really hurting our hearts. Le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. The Lord said that this generation will be still present when all these things will happen. Même si on parle comment cette génération, des milliers de personnes sont déjà vouées en enfer. Même si on parle comment, même si on ne le dit pas, mais ça se voit. This generation is doomed to be hosted in jail, in hell, sorry. We can already see this. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Dans notre génération, la prophétie d'Ésaïe 25 s'accomplit. Nasty things are called good things in our lives, and good things are called nasty things. Et comment voulez-vous qu'on ne puisse pas parler du jugement de Dieu face à une telle génération perverse? So that's why we have to talk about the judgment of God in front of this generation. En tout cas, moi personnellement, nous ne sommes pas de ce genre de prédicateurs-là que vous n'entendez pas parler trop de bénédictions. Je peux parler de cela, mais vraiment face à une génération pareille, notre génération-là, en tout cas, je ne suis pas ce genre de prédicateur. Parce que chaque fois, en voyant ce qui se passe dans ce monde, j'ai toujours une colère sainte. When I see all the things in this world, I always have a holy angry. And I am, that's why my message is to send the repent message to this world. Donc, le message qu'il faut prêcher à des temps comme ceci, à cette génération qui vit dans l'égarement, qui est tombé dans la perversion, où le péché est atteint un point culminant, qui atteint le zénith, le paroxysme. Mais bien aimé, le message qui est donné, c'est de parler du jugement de Dieu, le châtiment de Dieu qui va tomber sur cette terre. In front of the generation, we have to talk about the judgment of God who will fall down on this earth. Afin que les gens comprennent que ce qu'il est en train de faire là, un jour, il subira des conséquences par rapport à cela. They need to understand that one day they will get the consequences of their act. Luc 16:19, l'homme riche n'avait pas réclamé pourquoi il était condamné à l'enfer. Il n'avait pas réclamé parce qu'il était conscient de la vie qu'il avait menée sur la terre. In Luke chapter 16, verse 19, we can read that the rich man was paying a judgment on his life, on all the good things he got in his life. Plusieurs de cette génération se rappelleront même en enfer de ce message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. A lot of persons will remind about this message in hell. Mes bien-aimés, faisons attention. Beloved, let's take care. Le Seigneur revient très bientôt. The Lord is coming soon. Nous devons remettre nos vies sur les rails en ordre. We have to clean our lives. Ne joue pas avec ton salut, hein? Don't play with your salvation. Si tu sais que dans ta conscience, il n'y a pas les changements entre ta vie passée et ta vie nouvelle, mes bien-aimés, chercher la face de Dieu. C'est que le temps que tu es en train de passer dans la foi, c'est une peine perdue. If you know that your life is identical before and after Jesus Christ, this means you are losing your time in your faith life. L'évangile, mes bien-aimés, que nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas de pouvoir écouter, mais c'est de pouvoir l'appliquer, le mettre en pratique. C'est ça le but de ce message. The good gospel. Goal is to ask the people to repent, to give the right message. Et la seule clé pour pouvoir hériter le ciel, c'est de vivre une vie de sanctification, comme nous demande la parole. The only key to inherit the heaven is to meditate the word of God and to respect the word of God. Alors je vais m'arrêter ici. I will stop here. Demain, nous allons toucher sur le septième sceau. Tomorrow we see the seventh seal. Et comme je vous avais promis,
Nous allons faire une petite pause jeudi et vendredi parce que nous allons parler, expliquer la Pâque selon la demande de notre maman Adrienne. And on Thursday and Friday, we will discuss about Easter. Ça tombe bien de pouvoir parler sur ce sujet parce que il y a pas mal de confusion par rapport à ce thème. There are a lot of confusions related to the theme. Alors, nous allons l'expliquer avec les Écritures à l'appui. Est-ce que les chrétiens doivent-ils célébrer la fête de Pâques ou pas? We will see in the scripture. Do the Christians have to celebrate Easter? Et la Pâque dont on parle est la Bible, c'est la Pâque sans S ou la Pâque avec S? Donc nous allons expliquer toutes ces choses à la lumière des Écritures. And we will see tomorrow all the details related to the celebration. Quelle est la fête qui est recommandée selon la Bible que les chrétiens doivent-ils célébrer? Nous allons vous expliquer cela à la lumière des Écritures. Which one is important for the Christians? We will see tomorrow the scriptures. Donc, vraiment, ne ratez pas jeudi, vendredi, mais bien aimé, vous serez bénis par rapport à cette thématique. Donc, nous allons vous expliquer des choses avec des passages à l'appui. Donc, déjà demain, nous allons déjà introduire sur le septième saut. Retenez, nous allons vous expliquer les silences d'une demi-heure. Donc, les silences d'environ d'une demi-heure, mais bien aimé, lorsqu'on a sonné la septième trompette. Mais bien aimé, vraiment, soyez là à l'air, on va vous expliquer des choses. Tomorrow, we'll see the seventh seal and the half an hour silence that will be after the trump. Parce que la Bible dit, lors de l'ouverture du 17e saut, il y eut au ciel les silences d'environ d'une demi-heure. À l'ouverture du 7e saut. This is what you will see in the Bible. After the opening of the seventh seal, the silence will happen for half an hour. Cela explique quoi selon la prophétie? What does it mean in the prophecy? Nous allons vous expliquer ces choses par la petite grâce que le Seigneur nous a donnée. We will see this tomorrow thanks to the grace and mercy of the Lord. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse, acclamons la parole. May the Lord bless you. Let's pray for the Lord. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prier, mes frères et sœurs. Père, je te rends grâce. Merci pour le temps que tu nous donnes avec mes bien-aimés, avec mes frères et sœurs. Père, je prie que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit agréable. Seigneur, s'il te plaît, je prie ma brada shabra katemaro shamanga. Papa, je prie que tous ceux qui ont écouté ce message, que personne ne rate l'enlèvement. Aidez tes fils et tes filles de ne pas pouvoir rater l'enlèvement. Parce que l'ouverture du 6e saut et du 7e saut n'est pas réservée, Seigneur, à tes enfants, mais c'est le châtiment que tu as réservé pour l'Antichrist et toute sa bande. Seigneur, je te prie que nous qui avons écouté ce message, que personne, Seigneur, ne rate l'enlèvement pour subir ce châtiment. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir hériter le ciel dans les noms puissants de Jésus-Christ. Papa, que ce message soit comme une semence qui est tombée sur une bonne terre et que cette semence soit germée dans les noms puissants de Jésus. Préservez-nous du malin, préservez-nous de l'ennemi. Nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Que ce soit une nuit tranquille, paisible, au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est force du mal, tout ce qui est diabolique, satanique, de visites nocturnes, sorcelleriques, toute complication diabolique, au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, Seigneur, viens à notre sommeil. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Parle-nous, Seigneur, via les songes et des visions, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, je remets les restes de jours, Seigneur, mercredi, jeudi, vendredi, entre ta sainte main. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous parles encore. Que ces trois jours, Seigneur, soient bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève toute surprise désagréable au nom de Jésus. Que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, tout ce qui nous cherche pour nous faire du mal, Seigneur, que tu les rencontres sur leur chemin. Au nom de Jésus,
Nous détruisons tous les plans machiavéliques de l'ennemi au sujet de nos vies et de nos projets. Au nom de Jésus-Christ, Père, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, si tu reviens, tu vas revenir cette nuit, Seigneur, prends-nous avec toi. Mais si tu tardes à venir, Seigneur, donne-nous la foi et la persévérance de pouvoir continuer notre marche avec toi jusqu'à la fin, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour le temps que tu nous as donné. Merci pour ces messages. Je bénis ton Père au nom de Jésus-Christ. J'enlève la malédiction sur la vie de ton Père au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce abonde, Seigneur, dans nos vies au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de partage. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, mes mamans sur WhatsApp, mes bien-aimés sur Zoom, ma sœur Nicole, Amen. Mon bien-aimé Cyril. Mon bien-aimé Cyril, merci pour l'interprétation. Dieu te bénisse, vraiment se souvienne beaucoup de toi. Donc, merci vraiment pour les sacrifices énormes que tu fais. Sœur Nicole aussi également, mon frère Philippe. Et maman Adrienne, maman Nancy, maman Brigitte, frère Michael, tout le monde, même ceux qui nous suivent en direct de Facebook. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, ciao, ciao. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis à tous. Amen, maman. Amen. Ciao. Amen. Ciao, ma sœur Nicole. Ciao. 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 Bonne nuit. Bonne nuit. Dieu vous bénisse. Allez, bye, bye. Amen. Mon frère Cyril, à demain. Cyril, Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis, mon frère aussi. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Ciao. Amen. 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 Heh heh.